Pour réaliser ce pull, vous aurez besoin de minimum 50 g de laine foncée, au moins 100 g de laine claire, des aiguilles circulaires 4,5 de 40 cm de long et la même grosseur, donc le numéro 4,5 en double pointe, des arêtes mailles, des marqueurs et il vous faudra aussi 4 boutons pour réaliser la boutonnière. Donc, dans un premier temps, nous allons monter 100 mailles. Avec la laine foncée, donc on va commencer par tricoter avec la laine foncée. Donc dans un premier temps, vous faites un nœud. Vous allez piquer votre aiguille dans la boucle en haut à droite et vous serrez. Alors je ne l'ai pas précisé, mais évidemment il faut tricoter en rond au départ avec les aiguilles circulaires 4,5. Et vous montez vos mailles. Donc là, pour la petite taille, il faut 100 mailles. Pour monter vos mailles, vous piquez dans la boucle, vous tournez le fil autour de l'aiguille, comme si vous tricotiez un jersey, vous faites ressortir le fil de la maille précédente et vous la faites basculer, la nouvelle maille, sur l'aiguille. Et vous recommencez. C'est une méthode très simple qui permet de monter les mailles. Je viens de terminer de monter mes 100 mailles et j'ai tourné les aiguilles circulaires de façon à ce que le fil court soit à gauche et le fil de la pelote à droite. Et j'ai placé un marqueur qui permet de signaler le début et la fin du tour. Pour savoir où on en est. Donc là maintenant nous allons continuer à tricoter le devant et le dos du pull. Donc on commence par le bas en suivant un diagramme qui va vous rappeler un autre diagramme que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire celui du bonnet style toile d'araignée. Et ce diagramme, ces différentes augmentations et diminutions à certains endroits du tricot, va former donc ces espèces de vaguelettes sur le bas. Et puis on va faire un peu la même chose pour les manches, pour donner un côté fantasy. Je vous l'avais dit précédemment que j'allais sûrement utiliser le diagramme du bonnet style toile d'araignée pour m'en inspirer pour faire des pulls. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, j'avais fait d'abord un brouillon du modèle avec toutes les explications. Donc voilà, il s'agit juste d'un brouillon. Et là, c'est le premier diagramme que nous allons suivre. Pour réaliser en même temps le devant et le dos du pull, en commençant par le bas. Alors, je vous rappelle la légende du diagramme. Une croix, ça veut dire qu'il faut faire une augmentation dans la même maille. Voilà, comme ça, là, on va se retrouver avec deux mailles, en fait. Vous tricotez deux mailles jersey. Là, les deux mailles qui sont barrées dans ce sens-là, ça veut dire qu'il faut faire une diminution en faisant un surjet. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment ça se passe. Là, une diminution en tricotant deux mailles en droit ensemble. Deux mailles en droit. Et là, il faut tricoter la même maille deux fois d'une certaine manière pour faire une augmentation. Et normalement, vous devez vous retrouver avec 10 mailles sur cette parcelle. Parce que les deux augmentations rattrapent les deux diminutions qu'il y a eu là. Et en largeur, il faut répéter ceci 10 fois. Donc 10 fois 10 mailles, ça représente 100 mailles. Ça représente donc le tour du tricot. Et en hauteur, il faut le répéter autant de fois qu'il le faut. Jusqu'à arriver à une hauteur d'environ 8 cm. Et je rappelle qu'il faut utiliser les deux couleurs pour tricoter le diagramme. Donc en même temps que vous tricotez le diagramme, la première ligne, il faut toujours la tricoter avec la laine marron et la deuxième avec la laine blanche. Voilà. Et quand vous recommencez le diagramme, il faut répéter avec la laine marron la première ligne et la deuxième ligne avec la laine blanche. Alors, c'est parti. Alors, je remets le marqueur. Hop, dans ce sens-là. Alors la première maille, je vais faire comme ça. Vous allez la tricoter à deux reprises d'une certaine manière.
Donc, comme ceci. Alors, attendez. Vous piquez dans la maille. Vous tournez. Et là, vous voyez, la seconde maille, on dirait comme un jeté, vous la tricotez par le brin arrière. Donc là, vous retrouvez avec deux mailles. Ensuite, vous tricotez deux mailles en jersey endroit. Alors, tout se fait en jersey endroit, hein, je précise. Voilà. Ensuite, vous allez faire les premières diminutions, donc le trait qui est barré d'en bas vers le haut, de droite vers la gauche. Il faut faire en fait un surjet. La diminution est un surjet, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la suivante, et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Et la deuxième diminution, donc c'est les deux autres barres, les deux autres cases barrées par une barre rouge, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Voilà, vous tricotez deux mailles. Voilà, j'avance un petit peu mes mailles pour être plus à l'aise pour tricoter. Et après avoir tricoté vos deux mailles, vous terminez par ce qu'on a fait au début. Vous tricotez la maille suivante à deux reprises, donc comme ceci. Une pour créer l'augmentation. Et là, l'espèce de jeté, vous le tricotez par le brin arrière pour pas que ça fasse de trou. Et là, normalement, vous avez 3 et 3, 6, 9, 10 mailles. Et là, ce morceau de diagramme qui représente 10 mailles, eh bien, faut le répéter 10 fois au total sur le même tour. Oui, parce qu'il s'agit d'un fragment, si vous voulez, d'un fragment d'un seul tour, le diagramme que j'ai écrit. Donc là, vous recommencez, vous tricotez à deux reprises, hop, comme ceci. La maille suivante. Voilà, donc vous avez fait votre augmentation. Deux mailles en droit, un surjet. Les deux mailles suivantes, vous les tricotez à l'endroit. Vous tricotez deux mailles en droit. Et vous terminez par la maille suivante que vous tricotez à deux reprises. Donc une fois. Et vous la tricotez le reste par le brin arrière. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec 20 mailles. Donc ce que je viens de faire, il faut le répéter encore 8 fois au total. Après avoir fini de tricoter avec la laine marron le premier tour, donc en suivant la première ligne du diagramme, cette fois-ci, vous allez tricoter avec la laine blanche et suivre la ligne 2 du diagramme. Donc la ligne 2, il n'y a rien de particulier à faire, il faut tout tricoter en jersey endroit. Donc avec la laine blanche. Comme ceci, jusqu'à atteindre le marqueur, ce qui voudra dire que vous aurez terminé votre tour. Donc il faut alterner marron-blanc, 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 jusqu'à arriver à peu près à une hauteur de 7 ou 8 cm. Je ne sais plus ce que j'ai noté sur mon... Sur mon papier, il me semble que j'ai noté 8 cm de hauteur. Et là où on a fait des augmentations, là où on a tricoté à deux reprises la même maille, généralement ça forme un jeté, la façon dont j'ai tricoté.
Eh bien, ce jeté, il faut le piquer par le brin arrière pour le tricoter, pour pas que ça fasse de trous. Voilà. Ça, c'est important, hein, parce que c'est pas un pull avec, avec des points ajourés, hein. Donc là, je viens de réaliser une fois en hauteur le diagramme 1. Donc on a tricoté deux tours. Et bien là, il faut répéter à nouveau le diagramme et faire comme ceci jusqu'à atteindre à peu près une hauteur de 8 cm environ. Donc là, je vais reprendre la laine marron parce qu'il s'agit de la première ligne du diagramme. Et je continue à suivre les mêmes explications que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc tout est indiqué sur le diagramme. Donc je mets de côté la laine blanche. Je reprends ma laine marron. Là, je bascule le marqueur sur l'autre aiguille. Et là, eh bien, je recommence. Donc, je tricote à deux reprises la même maille pour créer une augmentation. Je tricote deux mailles. Je fais un surjet, donc je glisse une maille, je tricote la suivante et la maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée. Les deux autres mailles, je les tricote ensemble à l'endroit. Je tricote les deux autres mailles. Voilà. J'avance un peu mes mailles pour pas que ça serre trop sur les aiguilles. Hop. Et là, je termine par la maille que je tricote à deux reprises pour créer une augmentation, comme ceci. Voilà. Donc là, je viens de réaliser un dixième de mon rang. Et ceci, il faut le répéter 10 fois au total sur le même tour. Et là, vous voyez, on voit déjà les petites vaguelettes. Mais vous verrez, une fois que vous aurez tricoté au moins 4 ou 5 cm, ça se verra beaucoup mieux. Et on commencera à voir les rayures marron et blanche. Vous allez voir, ça va faire très joli. Là, je viens d'atteindre les 8 cm de hauteur totale. Alors pour mesurer, je vous conseille de ne pas commencer par la pointe. Je vous conseille de commencer par l'endroit le plus court, en fait. Donc ici. Et vous mesurez à partir de là jusqu'ici, ça doit faire environ 8 cm. Donc je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne. C'est très joli avec les petites vaguelettes et tout. C'est vraiment très sympa. Donc maintenant, nous allons passer à la suite des explications. Alors maintenant, nous allons tricoter uniquement avec la laine blanche. Donc vous laissez de côté la laine foncée et nous allons suivre ce diagramme que j'ai appelé diagramme numéro 2. Et il n'y aura pas d'augmentation, uniquement des diminutions. Donc par section de 10 mailles, il y aura 2 diminutions. Ce qui fait que sur un tour, vous aurez 20 mailles de moins. Donc le diagramme se compose de 3 rangs ou 3 tours si vous préférez en hauteur. Et ce diagramme, donc, il faut le tricoter 2 fois en hauteur, ce qui fera donc 6 tours. Donc c'est pas compliqué. Là, je vais vous montrer comment on réalise donc la ligne numéro 1. Donc là, vous voyez, j'ai coupé le fil marron. Là, il reste le fil blanc. Donc la première ligne de ce diagramme vous dit tricoter les 3 premières mailles normalement. Ensuite, vous faites un surjet. Donc vous glissez la maille suivante, vous tricotez la suivante. Et la maille glissée, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Et les deux autres, vous les tricotez normalement à l'endroit. Voilà. Et ensuite, vous tricotez 3 mailles endroit. 3 et 3, 6, 7, 8 mailles. Vous vous retrouvez donc avec 8 mailles au lieu de 10 sur cette section. Et là, vous répétez ceci au total 10 fois. Donc là, je l'ai fait une première fois, donc il faut le faire 9 fois encore. Donc vous recommencez.
tricoter 3 mailles. Vous faites un surjet, glissez une maille, la suivante vous la tricotez, la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Et les deux mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Et les trois mailles suivantes, vous les faites à l'endroit normalement. Alors là, je viens de tricoter la première ligne du diagramme 2. Maintenant, je vais tricoter les deux autres. Eh bien, c'est simple, vous voyez, il n'y a rien de particulier. Il faut tricoter donc deux tours en jersey. Après avoir terminé le diagramme 2, vous allez passer au diagramme 3. Donc en fait, c'est exactement le même que le 2, sauf que vu qu'on a fait des diminutions, la section se compose uniquement de 8 mailles au lieu de 10. Donc c'est très simple, vous allez tricoter en commençant par 2 mailles en droit, faire un surjet comme je vous ai montré tout à l'heure, une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit et 2 mailles en droit. Et ça, il faut le répéter 10 fois au total sur tout le tour. Et ensuite, les deux autres lignes du diagramme, toujours avec la laine blanche, hein, je précise, hein, ça ne change pas. Il faudra tricoter donc un et deux tours en blanc, en jersey en droit, sans diminution. Ce qui fait que si vous comptez le diagramme 2 et 3, ça représente donc 6 tours. Et on se retrouve tout à l'heure. À la fin du diagramme 3, vous vous retrouvez avec 60 mailles. Et tout à l'heure, on divisera en deux ces 60 mailles pour obtenir 30 mailles pour tricoter le devant et vous aurez 30 mailles pour tricoter le dos. Mais on n'en est pas encore là, on verra ça tout à l'heure. Là, maintenant que les diminutions sont faites, maintenant que vous vous trouvez avec un nombre de mailles correct pour la taille 3 mois, vous allez tricoter environ 3-4 cm tout en jersey en droit. Jusqu'à ce que ça fasse donc une taille d'environ faut que ça fasse 14 cm de hauteur au total en mesurant donc pas à partir de la pointe mais à partir de la partie la plus haute ici vous voyez vous mesurez à partir d'ici vous pouvez ajouter un marqueur si vous voulez hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais vous pouvez et il faut que ça fasse au total environ 14 cm donc là je crois qu'on est à peu près à 11 plus ou moins. Donc il faut au moins minimum 3 cm. Donc vous tricotez en jersey. Tout simplement. Pas d'augmentation, pas de diminution. Et vous mesurez de... Donc là, vous voyez, mon pull fait environ 14 cm de hauteur. Donc on voit bien les diminutions, vous voyez. En bas, c'est évasé, c'est un peu large. Et en haut, c'est un peu plus... retrécit et c'est tout à fait normal. Alors maintenant, ce que vous allez faire, alors vous allez enlever ce marqueur et vous allez le mettre en bas, ici, voilà, au niveau des fils, vous voyez, un peu plus haut, vous fiez au fil du bas, comme ça, ça va marquer le côté du pull. Alors c'est pas très utile mais je préfère le mettre là. Et là maintenant ce que vous allez faire, vous allez prendre un arrête-maille. Et les mailles ici, les 30 premières, vous allez les mettre sur votre arrête-maille. Et les 30 autres mailles qui resteront, on les mettra sur une aiguille double pointe ou sur une aiguille droite numéro 4,5. On va tricoter ensuite le devant et le dos séparément en aller et retour. Donc vous avez le choix, hein. Soit vous prenez vos aiguilles double pointe 4,5. Je préfère utiliser les aiguilles double pointe. Donc petit récapitulatif, là nous venons de mettre 30 mailles sur un arrête-maille, donc on les a mises en attente. Donc là ce sont les mailles qui représentent le dos et j'ai mis les 30 autres mailles sur une aiguille double pointe. Vous pouvez utiliser des aiguilles droite numéro 4,5, je précise, donc soit l'un soit l'autre, hein, peu importe. Et là, donc, ce sont les 30 mailles qui représentent le devant. Donc là, maintenant, nous allons réaliser le devant. Et je vous expliquer pas à pas
comment on réalise le devant, puis ensuite on fera le dos. Et nous ferons ensuite les manches et on terminera par le col. Alors vous allez voir, sur le devant, il va y avoir une boutonnière qu'il faudra réaliser en faisant différents jetés qui vont former un trou. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et il y aura aussi des explications qui vont apparaître à l'écran pour que vous compreniez plus en détail. Alors, pour mieux vous expliquer comment nous allons réaliser le devant du pull, je me suis permise, pour mieux vous faire comprendre, de créer un diagramme. Mais ce diagramme n'apparaîtra pas, je me permets de préciser, sur le modèle PDF qui sera proposé à la vente. Donc là, c'est vraiment juste pour la vidéo, c'est pour bien vous expliquer de façon directe comment ça se passe. Donc là, en bas, vous avez vos 30 mailles qui représentent le devant. En hauteur, nous allons tricoter au total 13 rangs. Et au final, après avoir fait toutes les diminutions à gauche et à droite, il restera 16 mailles. Alors, nous allons faire en fait des diminutions en tricotant les deux premières et les deux dernières mailles de chaque tour mentionné à gauche. Donc, il faudra faire les diminutions sur le premier, troisième, cinquième, septième, neuvième, onzième et treizième rang. Et au final, après ces diminutions, je précise qu'il y en a donc deux par rang avec diminution. Ça fera donc 16 mailles au final. Les diminutions, il faudra les tricoter en tricotant les deux mailles ensemble à l'endroit, tout simplement. Pas de diminution particulière, là c'est des diminutions normales, simples. Par contre, vous voyez, j'ai entouré des tours, là à droite, pour pas tout mélanger. Au troisième, septième et onzième rang, là vous voyez, vous avez un rond au niveau de là qui est à cheval sur un trait. Ça veut dire qu'après la diminution, il faudra faire un jeté. Après avoir tricoté vos deux premières mailles, donc c'est seulement sur le côté droit qu'il faut le faire. Après avoir tricoté vos deux premières mailles, il faudra faire un jeté. Et au rang suivant, mais vous inquiétez pas, je vous montrerai après, sur le côté envers, il faudra tricoter les deux mailles qui restent à l'envers ensemble par le bras avant et ça va former un trou. Donc ces trois jetés, ça va former trois boutonnières. Et tout à la fin du tricot, quand on réalisera le col, il y aura une quatrième boutonnière. Mais ça, on verra plus tard. Donc les boutonnières se feront au troisième, septième et onzième rang. Alors vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer au fur et à mesure pour que vous compreniez bien. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc là, nous avons coupé le fil blanc parce que c'est en attente au niveau de l'arête maille. Donc là, j'ai coupé le fil, on va y laisser une bonne longueur parce que tout à l'heure, on va s'en servir pour faire la couture des emmanchures. Mais ça, on verra plus tard. Donc là, nous allons tricoter le devant en suivant les explications que j'avais notées sur le diagramme. Donc là, vous allez reprendre le fil blanc. Donc là, sur le premier rang, il faut faire des diminutions sur les deux premières et deux dernières mailles. Là, pareil, vous mettez pas mal de longueur car ça va servir pour les coutures de l'emmanchure. Donc là, j'ai tricoté ensemble les deux premières mailles. Je tricote les autres en jersey. Et ensuite, vous tricotez ensemble les deux dernières mailles, donc de la première ligne. Donc là, on vient de faire un rang. Et là, vous vous retrouvez avec 28 mailles au lieu de 30. Vous tournez vos aiguilles. Là, nous sommes sur le côté envers. Donc là, sur la deuxième ligne, vous allez tricoter un tour, enfin un rang, pardon, en jersey envers. Sans diminution ni quoi que ce soit de particulier. Les diminutions se font tous les deux tours, donc uniquement sur le côté endroit. Donc quand vous tricotez le côté envers, vous pouvez être sûr que il faut tricoter normalement sans diminution particulière, sauf après une boutonnière, mais ça je vais vous montrer après. Là, il n'y a pas besoin pour le deuxième rang.
Donc là, je viens de finir mon rang en vert. Je tourne mon aiguille. Je déroule un peu ma pelote. Voilà. Là, nous sommes donc au troisième. Nous sommes au troisième rang, là, maintenant. Enfin, nous allons le réaliser. Alors, là, il va y avoir une boutonnière. Donc, soyez attentifs, même si c'est pas compliqué. Donc, les deux premières mailles, vous les tricotez ensemble. Pareil que tout à l'heure, lorsqu'on a fait le premier rang. Voilà. Comme ceci. Et là, vous allez faire un jeté, en faisant comme ça. Vous voyez ? Le fil, il est là. Vous le passez devant vous, sur l'aiguille de droite. Et après, vous tricotez les autres mailles en jersey. Et là, en fait, vous voyez, le jeté, ça forme une maille en plus. Et les deux dernières mailles, vous les tricotez en jersey pour créer la diminution. Alors, normalement, il devrait y avoir 26 mailles, mais vu qu'il y a un jeté, nous en avons normalement 27. Alors, on va compter ensemble pour voir si c'est exact. Donc, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est exact. Alors, là, vous tournez vos aiguilles. Là, on tombe sur le côté en vert. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons tricoter en envers, mais à la fin, il va se passer quelque chose de particulier pour qu'on retrouve nos 26 mailles. On va faire une diminution. Donc là, il s'agit de la quatrième ligne. Donc là, il reste 3 mailles. Et là, vous voyez, au milieu, il y a le jeté. Donc ces deux mailles, vous allez les tricoter ensemble à l'envers par le brin avant. Comme ceci, vous allez piquer. Vous les tricotez. Et vous tricotez la dernière maille en jersey en vert, normalement. Là, vous allez tourner vos aiguilles. Et vous allez voir que le jeté a formé un trou. Donc là, il s'agit de votre première boutonnière. Donc vous voyez, c'est pas compliqué à réaliser, il faut juste faire les choses comme il faut et bien suivre. Et voilà. Et là maintenant, eh bien, vous allez continuer comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Tous les deux tours, donc uniquement côté endroit, vous faites vos diminutions sur les deux premières et deux dernières mailles, comme je vous ai montré. Et n'oubliez pas que au 7e et 11e rang, côté endroit, vous aurez les diminutions et en plus vous aurez les jetés à faire, un jeté à faire pour créer la boutonnière. Au total, il y en a 3. Et n'oubliez pas que après avoir fait le rang avec boutonnière, lorsque vous tricotez le rang côté envers, n'oubliez pas de faire comme ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire que vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, vous faites une diminution par le bras avant et tricotez la dernière maille qui reste en envers. Voilà. Donc là, il y a 13 rangs au total. Donc là, à la fin, il reste 16 mailles. J'ai coupé le fil et j'ai laissé une bonne longueur pour pouvoir faire la couture plus tard en manchure côté gauche. Et là, on voit bien nos 3 boutonnières. Alors, si vous voulez bien les voir, vous pouvez faire comme moi. Vous mettez un marqueur dans chaque boutonnière. Là, j'en ai mis un là, mais je pense que je vais en mettre aux deux autres. Donc voilà. Et ces 16 mailles, vous allez les mettre sur un arrête-maille en attente. Et ce que je viens de réaliser là, le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, il faut faire exactement la même chose pour le dos. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez mettre toutes vos mailles qui sont sur cette arête maille qui représente le dos sur une aiguille double pointe, comme on a fait là. Et vous allez faire exactement la même chose, mais sans les boutonnières. Voilà, donc vous oubliez les jetés pour le côté dos.
Donc là, j'ai réalisé le devant et le dos. Donc voilà, c'est terminé. Et là, pareil, vous allez mettre les mailles, les 16 mailles du dos, bien en attente sur un arrête maille. Et maintenant, nous allons tricoter les manches. Maintenant, nous allons passer à la réalisation des manches. Alors, que vous fassiez la première ou la seconde manche, il faut savoir que c'est exactement les mêmes explications. Donc, les explications que j'ai données pour cette manche que je vais vous montrer là tout de suite en vidéo, eh bien, il faudra faire exactement la même chose avec la seconde. Donc, il n'y aura pas de différence par rapport à la largeur, la hauteur, le nombre de mailles et par rapport aux diminutions qui vont suivre. Alors, pour commencer, vous prenez votre laine marron et nous allons faire comme pour le bas du pull, nous allons tricoter les bords de manche en vaguelette, hein, en point zigzag, comme j'aime bien dire, en bicolore. Donc on va utiliser la laine marron et blanche à nouveau. Donc là, pour commencer, vous allez monter 30 mailles. Donc là, avec ma laine marron, donc vous commencez toujours par le marron, hein. Vous faites un nœud comme ceci, vous piquez là, voilà. Et à partir de cette première maille, vous allez monter vos 30 mailles. Donc j'ai disposé mes 30 mailles sur 3 aiguilles. Donc nous allons tricoter évidemment en rond les manches. En bonne partie en tout cas. Donc là j'ai tourné les aiguilles de façon à ce que le fil court soit à gauche. Et là il s'agit de du fil de la pelote. Et là maintenant vous allez suivre à nouveau le diagramme 1, donc c'est le même que pour le bas du pull, autant de fois qu'il le faut en hauteur, jusqu'à arriver à 6 cm de hauteur, environ. Donc vous allez suivre ce diagramme, donc vu qu'il y a 30 mailles, là nous avons 10 mailles, et bien il faut répéter chaque ligne 3 fois en largeur pour chaque rang, pour chaque tour, en suivant les mêmes explications que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors je vais vous remontrer juste une fois. Mais après, il faudra vous débrouiller tout seul par vous-même. Car j'ai déjà montré, donc je ne vais pas montrer 50 fois la même chose. Mais là, je vais le remontrer juste un petit peu, vite fait, pour bien vous expliquer. Donc, la première maille, vous la tricotez à deux reprises, comme ceci. Là, il s'agit de la maille avec une croix. Comme ça, ça crée une augmentation. Vous serrez un petit peu là. Voilà. Ensuite, vous tricotez deux mailles. Vous faites un surjet, donc vous glissez une maille, vous tricotez la suivante. La maille glissée, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Les deux autres mailles, vous les tricotez ensemble pour créer donc la seconde diminution. Ensuite, vous tricotez deux mailles. Voilà. Et là, vous voyez, la dernière qui reste, il faut la tricoter deux fois pour créer une augmentation. Donc, une fois, vous repiquez dedans et hop, vous la tricotez deux fois. Et voilà. Et ce que je viens de faire, vous le répétez deux autres fois et votre premier tour, votre première ligne du diagramme sera réalisée. Et ensuite, il vous faudra prendre la laine blanche pour tricoter la seconde ligne du diagramme. Et quand vous recommencez le diagramme, vous reprendrez la laine marron et ensuite la laine blanche et ainsi de suite. Exactement pareil que pour le bas du pull. Maintenant que vous avez fait le premier rang, premier tour en suivant donc la première ligne du diagramme. Là maintenant, vous prenez votre laine blanche, vous mettez de côté la laine marron et vous allez tricoter donc comme c'est indiqué sur le diagramme un rang donc en blanc. Tricoter tout en jersey. Et là, vous voyez par rapport à l'augmentation, celle-ci, il faut la tricoter par le brin arrière pour pas que ça forme un trou. Voilà. Donc là, ce tour-là, il faut tout tricoter en jersey. C'est que sur les rangs, sur les tours avec la laine marron qu'il y a des diminutions et augmentations à faire.
Donc là, j'ai atteint 6 cm de hauteur en mesurant non pas à partir de la pointe mais à partir du côté le plus court, on va dire. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai coupé le fil marron car on n'en a plus besoin et on va tout tricoter en blanc maintenant jusqu'à la fin. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez tout tricoter en jersey sur 9 cm. Il faut que ça fasse environ au total, en comptant ceci, en comptant la bordure, il faut que ça fasse 15 cm environ. Et en même temps, donc, sur le premier tour que vous allez tricoter, vous allez répartir 3 diminutions, ce qui fait que nous aurons 27 mailles au lieu de 30. Donc une diminution sur chacune des 3 aiguilles. En tricotant 2 mailles ensemble, comme ceci, vous voyez, à l'endroit. Ah, alors je me suis loupée, j'ai mal piqué la maille. Excusez-moi. Donc vous faites comme ceci. Voilà, vous tricotez 2 mailles ensemble. Donc vous faites comme ceci sur chacune de vos 3 aiguilles. Donc vous aurez 3 mailles de moins. Et après vous tricotez tout en jersey normalement, sans aucune diminution ni augmentation. Ma manche fait 15 cm de hauteur, donc voici ce que ça donne. Et là maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tricoter en aller-retour sur nos 3 aiguilles. Je dis bien en aller-retour. Donc il faudra faire un tour ou un rang, ça dépend comment on le voit, en droit, puis un rang en vert, un rang en droit, un rang en vert, un rang en droit, etc. Donc il ne faut pas tricoter en rond, mais il faut conserver les mailles sur nos 3 aiguilles. Et quand il restera peu de mailles, vous pourrez les mettre sur une ou deux aiguilles au lieu de 3 à la base pour que ce soit plus facile, si vous le souhaitez. Et là, ce que nous allons faire, donc, nous allons faire des diminutions. 7 fois tous les deux tours, donc il y aura 13 rangs au total, en tricotant les deux premières et deux dernières mailles ensemble sur le côté jersey en droit. Donc sur tous les côtés jersey en droit, il faudra faire la diminution, pas sur le côté envers. Donc c'est les mêmes types de diminutions en fait que ce que nous avons fait pour le haut du devant et du dos. Donc là c'est pour former les emmanchures en fait, parce que ce sont des manches raglan que nous sommes en train de faire. Donc là, juste pour vous montrer, pour vous expliquer, là sur le côté en droit, donc je tricotais deux premières mailles en jersey en droit. Et toutes les autres, je les tricote en jersey normalement. Et là, les deux dernières mailles, je les tricote ensemble en jersey en droit. Voilà. Donc là, il faut le compter comme le premier rang. Donc là, nous avons 2 mailles de moins. Et maintenant, vous allez tricoter un rang en jersey envers. Donc vous faites comme ceci. Puisqu'il faut tricoter en aller-retour. Il faut tricoter en aller-retour, mais sur 3 aiguilles. Donc là, je fais un rang envers, normalement. Et là, je recommence. Après mon rang envers, je tricote un rang en jersey et je tricote les deux premières et deux dernières mailles ensemble à l'endroit pour former une diminution. Donc il faut tricoter 13 rangs au total.
Donc le même nombre de rangs à hauteur que pour le devant et le dos qu'on a tricoté tout à l'heure en aller-retour. Je viens de finir mes diminutions. Donc voici ce que ça donne, vous voyez, là on voit bien la forme du raglan. Et ici, de chaque côté, vous voyez. Et là, normalement, il vous reste 13 mailles. Et ce que vous allez faire, vous allez laisser en attente vos 13 mailles. Alors, le mieux, c'est de les mettre sur un autre arrête-maille. Comme ça, au moins, vous récupérez vos aiguilles. Et ce ne sera pas dérangeant. Et ce que vous allez faire, une seconde manche exactement pareille, identique, en suivant les explications que vous venez de voir dans la vidéo. Et vous obtiendrez vos deux manches et ensuite on va terminer par le col. Donc j'ai fini de tricoter ma seconde manche, donc nous en avons deux identiques. Donc là, on va dire que c'est la gauche, celle-ci. Et celle-ci, la droite. Quoi qu'il en soit, il y a les mêmes diminutions de chaque côté, ce qui a formé le rabais. Donc, enfin la manche raglan, je veux dire. Donc, peu importe, hein. Gauche-droite, droite-gauche, c'est exactement les mêmes manches. Et là, nous avons donc, nous avons le devant. Là, on voit bien les trous. Voilà, ce sont les boutonnières. Et ici, c'est le côté qui va être détachable. Alors, que je vous explique une chose. Là, nous allons tricoter en aller-retour le col. Mais ce qu'on va faire, nous allons mettre sur deux ou trois aiguilles double pointe, comme celle-ci, toutes les mailles, en commençant par le devant, la manche, le dos, et en terminant par la dernière manche. Donc, on va faire comme ceci. Donc là, je prends les mailles qui sont en attente et qui représentent donc le devant, donc là où il y a les boutonnières. Je les mets sur l'aiguille. Donc le col se tricote en aller-retour. Ensuite, sur cette même aiguille, je vais mettre les mailles, les 13 mailles de la manche gauche. Faire comme ça. Alors je vous rassure, en tricotant, il n'y aura pas d'espace ici. Ça va se rattacher, ça va être collé. Voilà. Ensuite, sur une autre aiguille, donc là vous tournez, vous allez mettre les mailles du dos sur une nouvelle aiguille double pointe. Alors là, j'ai donc mis toutes les mailles sur trois aiguilles. En commençant par le devant, puis la manche de gauche, le dos et la manche droite. Donc là, nous allons tricoter en aller-retour en côte de 2, mais d'abord, nous allons faire un rang en jersey endroit avec la laine marron, enfin la laine foncée que vous avez choisie en tout cas, parce qu'après, vous êtes libre de choisir la couleur que vous désirez. Nous allons faire donc un rang jersey d'abord, avant les petites côtes. En faisant, vous allez faire 14 diminutions en fait, que vous allez répartir un petit peu partout, pour qu'il reste donc 44 mailles. Parce que là, on en a un peu trop. Hein. Parce que là, on a 58 mailles au total et il nous en faut 44. Alors c'est parti. Je vais commencer à tricoter donc. Hop, on va faire comme ça.
Donc moi ce que je fais, je vais tricoter deux mailles et les deux autres je les tricote ensemble à l'endroit. Donc là vous avez fait votre première diminution. Tricoter deux autres mailles et les deux prochaines vous les tricotez ensemble, hop, à l'endroit. Troisième diminution. Donc si vous voulez, vous pouvez dispatcher des marqueurs, 14 au total, pour savoir à peu près où vous allez faire les diminutions. Mais moi, personnellement, je fais comme ça. Donc une, ouais, deuxième diminution, deuxième ou troisième? Non, deuxième normalement. Je tricote deux mailles ensemble et les deux autres, hop, je fais comme ça. Alors quand vous arrivez là, vous voyez, là, il faut éviter qu'il y ait un espace entre les deux, entre la manche et le devant. Donc quand vous tricotez, il faut veiller à bien bien serrer pour pas qu'il y ait d'espace. Donc là, normalement, si le compte est bon, il vous reste 44 mailles. Et là, ce que vous allez faire, vu que vous tricotez en aller-retour, donc là, vous avez le devant, nous allons tricoter un rang en jersey en vert. Maintenant, nous allons entamer le troisième rang. Alors là, il va y avoir une boutonnée, hein, donc on va former un jeté entre les deux premières mailles. Et là, par contre, à partir de maintenant, nous allons tricoter en côte de 2. Alors, vous allez tricoter une maille en droit, vous allez réaliser un jeté et tricoter l'autre maille en jersey en droit. Vous passez le fil devant et vous tricotez deux mailles en vert, puis deux mailles en droit. Donc là, je suis en train de terminer le quatrième rang qui se tricote en envers. Là, on arrive, voyez, au jeté, donc les trois dernières mailles. Alors là, ce qu'il faut faire, les trois prochaines mailles, il faut les tricoter en jersey envers, comme ça. Donc là, il y a le jeté, comme ceci, et vous voyez, ça forme un trou. Donc là, vous avez formé votre boutonnière, et là, vous finissez de tricoter une maille envers. Donc là, en fait, on a en quelque sorte fait une diminution pour qu'on ait à nouveau 44 mailles. Vous tournez vos aiguilles. Comme ceci. Là, on voit bien la boutonnière, vous voyez. Et donc là, on se retrouve avec deux mailles en droit pour former des côtes vraiment distinctes, hein, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, etc. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tricoter un rang en jersey en droit, enfin en endroit, sur le côté en droit, pardon. Donc un rang sur l'endroit et un rang sur l'envers, tout en suivant les côtes, de mailles en droit, de mailles envers, etc. Et ensuite, nous fermerons les mailles. Donc là, il vous reste deux rangs à tricoter. Maintenant, vous allez fermer vos mailles en tricotant en jersey envers. Vous pouvez faire en jersey en droit aussi, mais moi, personnellement, je préfère le faire en jersey envers. Donc vous tricotez une maille en jersey envers, une autre maille en jersey envers et la maille précédente, vous la faites passer par-dessus la maille que vous venez tricoter. Vous tricotez une maille jersey envers et la maille précédente, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Et vous faites comme ceci jusqu'à la fin. Et il vous restera une boucle qu'il faudra pas serrer. Il faudra couper le fil
et rentrer le fil dans la boucle avant de serrer pour pouvoir fermer définitivement le tricot. Donc là, nous avons fini de tricoter totalement notre joli petit pull bicolore pour bébé. Donc là, vous voyez, nous avons notre boutonnière à droite. Là, les manches ne sont pas cousues. Là, la dernière chose qui vous reste à faire, c'est coudre l'emmanchure gauche du devant. Pas à droite parce que y a la boutonnière. Et il faudra faire pareil sur le dos, mais des deux côtés par contre. Donc vous aurez trois coutures à faire, sauf sur le devant côté boutonnière. Voilà, parce que c'est le côté qui doit se détacher pour permettre le passage de la tête. Donc voilà, ensuite il vous restera plus qu'à rentrer tous les fils à l'intérieur sur le côté envers en faisant un aller et un retour dans des mailles envers avant de couper. Et ensuite ce sera terminé. Alors ça, je vais pas le montrer en vidéo parce que c'est pas pratique avec la caméra, mais moi je vous conseille de faire un point invisible comme ceci, et au fur et à mesure vous serrez et en bas, ou alors vous commencez là et vous terminez ici, peu importe là où dépassent des fils. En tout cas, c'est pour ça que durant la vidéo je vous ai dit de garder une certaine longueur de fil. Et ensuite, vous serrez au fur et à mesure et après, vous faites double nœud et vous coupez. Voilà, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de trou en haut ni au niveau des dessous de bras. Voilà, ça c'est important. Et ensuite, je vous conseille de placer un marqueur dans chacune des boutonnières, donc les quatre trous, et de vous servir des marqueurs pour aligner bien comme il faut les boutons que vous coudrez ici au niveau des boutonnières. Donc il vous faudra quatre boutons. Et voilà, il n'y aura plus qu'à coudre les boutons et c'est tout. Voilà, pour les coudre, il faudra que vous le fassiez bien au bord. Et voilà, le pull il sera terminé. Et je vous montrerai en photo le final.